président de la Grand Sud. Je vous dis, présent soin, moi je suis là déjà dans le Grand Sud. Et moi je pense que samedi dernier, je suis en Haïti. Là, je apprends ce qui passé. L'intensité du tremblement de terre, son bail qui était choqué. D'ailleurs, nous ne pouvons pas attendre un tremblement de terre de telle intensité après ça qui passé en 2010. Cependant, immédiatement que le rivet, nous connaissons les problèmes qui posaient, surtout dans la région Grand Sud. Et moi, c'était important pour nous être là, pour que nous portions solidarité. Parce que ça qui passait, il y a des gens qui étaient programmés, ça, sont des gens qui arrivaient, qui portaient des cas écrasés, qui portaient des gros pertes dans l'économie, qui portaient des morts, qui portaient des blessés. Tout Haïtien a deux voix. Pour être dans le Grand Sud là pour venir aider. Et c'est ça que je viens de faire. Je viens de faire parce que c'est important pour nous-mêmes Haïtiens nous répondre à Haïtiens pareils, nous avons gros problèmes. Et je fais avec toute équipe Haïti en action, toute équipe ça qui campe, malgré que dans le département, il y a des problèmes. Il y a des problèmes pour ce cas écrasé. Il y a des problèmes puisque il y a des difficultés. Le travail n'est pas à reprendre. Il y a un problème puisque il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui sont blessés. Mais il y a un campé là tout pour faire solidarité avec l'autre monde. La première démarche, ça, c'est une démarche que nous faisons pour que nous portions un nombre de matériel, que ce soit tôle, que ce soit plywood, pour que les gens qui construisent un abri provisoire, mais on dans la couleur de la caille. Parce que la caille est pas rentrer là-dedans. Deuxième démarche, là, nous allons faire des engagements collectifs. Côté que, eh bien, un pile de monde qui vient là-dedans. Ce jeudi, l'urgence là, c'est abri provisoire et elle s'est mangée. On a passé dans le deuxième stade là après qu'il y a la réhabilitation, parce qu'il faut réhabiliter caille. Et troisième stade là qui va le plus structurel pour que nous relancer l'économie. Moi-même, je participé dans tout ça. Moi, je crois que dans l'aide d'urgence là, nous sommes intervenus, nous avons quitté tout le côté. Nous avons un abri provisoire. Dans la réhabilitation, on a fait ça capable pour que nous puissions aider mon réhabilitation. Et dans la question du troisième stade, nous avons aidé, surtout mesdames, pour reprendre le business, pour nous avoir un business au lieu de nous passer. Nous avons appris mieux. C'est ça qui doit être bon Haïti. Haïti que nous connaissons, moi-même, moi, j'étais levé. Rabotom, dans nos quartiers populaires, nous avons aidé l'autre monde. Haïti, ça, c'est lui. Que nous devons reprendre parce que nous sommes grands peuples. Nous sommes aujourd'hui en difficulté, mais nous devons de grands esprits. Tout le monde qui est là, c'est des gens qui plein bail dans la tête. Malheureusement, collectivement, nous pas avancer. Et je dis à nous, par exemple, que nous avons avancé. C'est vrai qu'il y a un pile d'autres peuples qui voulaient venir aider. Mais le premier monde qui doit aider, c'est Haïtien pareil. Et je dis à ça fait que, m'excusez, parce que je devais arriver à 10h, mais je vais en savoir petite rivière. Mon yo, tellement de problèmes. La commune, la section, nous ne pouvons pas courir. Même si nous sommes patients, nous venons et nous l'avons. Nous devons le garder, nous devons le voir, nous devons le constater et nous devons le porter plus que ça. Est-ce que vous avez un rapporteur? Dis-nous par rapport à la distribution de ça, nous devons nous rappeler. Est-ce que c'est la protection civile qui nous promet ou bien c'est l'équipe de coordination, Haïti en action qui va le faire? Ça, c'est Haïti en action, coordination, cap de recherche, cap de garder, ciment qui nous porter. Protection civile, nous avons aimé le fait travailler l'État. Il y a un budget pour ça. D'ailleurs, nous critiquons parce que nous avons été doués à actif. Comme ça, il y a urgence comme sénateur, moi, comme ça, son corps qui doit être disponible. Si c'est cyclone, nous déjà connaît, il faut débloquer l'avant. Si c'est un tremblement de terre, 24 heures avant, il faut débloquer. Donc, nous, l'État, attention, débloquer parce que les gens qui ont payé taxes, je dis, il y a un problème, il faut retourner beaucoup. Donc, protection civile, nous avons un pile parler, mais nous avons une action. Et c'est action. Et parce que nous avons l'Haïti en action, et c'est action que nous voulons pour la population qui a sorti. Et vous déjà dans la ville locale? Non, de vous avez venu là et gagné. Haïti en action, comme on dit Haïti en action, est-ce que nous-mêmes, en dehors d'Haïti en action, est-ce que nous préparons déjà pour nous faire ça à long terme et à court terme? D'abord, nous connaissons aux questions, mesdames, parce que nous avons toujours fait ça qui vient après. Distribution de jeux, aider les parents, les policiers, madame et maman. Dis-nous, non, et à long terme, vous avez ça nous fait avec GAC, c'était justement pour nous consommer.
mais après ça les gars mieux valgon business là mais c'est à dire plus quantité pour que yo même nous baillons pour que yo vendent et le après acheter et acheter un prix qui très bas comme nous connaissons The Okai et bien Léogan et bien a fait vol direct pour que grand pile mesdames nous mettons au travail le mesdames au travail yo fait économie. Les gars sont plutôt très bien, mais mesdames, ils sont bien comme nous. Comment vous pouvez toucher et le département sud? L'année arrivée, nous avons une coordination. Moi-même, je ne vais pas parler dans toute commune. Peut-être que nous allons arriver dans le pays. Mais coordination, c'est nous qui responsable. Nous, dans Haïti en action, nous avons un leadership organisé qui est vertical, mais qui a une responsabilité d'où, dans le sens que le cadre a fait horizontalité. Et c'est 4-0 qui va continuer le travail. Ça, nos côtés là, c'est pour le week-end, ça, l'autre week-end, là. D'ailleurs, on a participé en funérailles des sénateurs fortunés que nous présentons condoléances à toute famille, c'est l'école Lingouin. Nous, on travaille bien ensemble dans le Sénat, même les points de difficulté du travail. Et puis après, par contre, le Gvini, c'est pas dans l'hôtel l'année. Donc, vraiment, je peux présenter ce bâtiment à tout le monde qui est tombé, dans les circonstances que nous tous sommes tombés, puisque nous tous vivons dans le pays. Donc, je suis là et je pense que nous avons accompagné. Pourquoi tu as un avec l'hôpital? Écoutez, je pense que nous avons passé au moins l'hôpital là avec abri que coordination programmée. L'homme vient ici, je suis contre coordination, parce que c'est eux qui recevront. Et si je recevoir au bord de l'Ouest, dans cette salle là, je recevoir, mais là, je suis là. Et là, on a de bonnes mains. Moi-même, les gens qui sont privés, cadre de force majeure, ils n'ont ni la journée ni la nuit. Et garde nous sommes là à toute heure, à tout moment. Le message pour tout le monde qui vit dans le département sud. Le message pour tout le monde, je dis à il n'y a pas pour contre eux. Il y a solidarité. Et c'est solidarité, ça a nous côté baillot. Nous disons que nous allons faire l'État pour les pressions. Nous allons faire plaidoyer pour l'international là pour nous dire mais ça nous est et ils méritent plus. C'est des gens qui ont une autonomie, qui ont un travail. Je dis à eux frapper. Pas des gens qui frappent dans le monde qui n'ont pas besoin de solidarité. Donc solidarité, il faut venir de Haïtiens, il faut venir de l'État et international là. Il faut les bailler solidarité dans la dignité. Dans la dignité, parce que comme peuple, c'est vrai, nous avons des problèmes, mais nous sommes fiers d'être peuple malgré les difficultés. Merci. À moi de vous remercier. Président, vous avez la parole aussi. On a su, vous avez bon.